moi je me demande, est-ce que ces applaudissements sont pour Sophie Garel? Ou alors pour Annie Lemoine? Pour Pierre Bénichou? Pour Stevie Boulet? Pour Isabelle Alonso? Pour Christophe Alévèque? Ou pour moi? Non. Il n'y a pas eu incitation. Non, mais on peut en faire autant, hein. Ouais. Ou pour moi. Ouais. Tournée gratuite pour moi. Ouais. Excusez mes camarades, ils ne seront pas habitués au succès, ce n'est pas comme moi, n'est-ce pas? Oh. C'est n'importe quoi, alors. Mais Stevie, c'est bizarre, votre cravate, il n'y a pas de chemise en dessous. J'ai oublié. Je ne me referai pas. Hein. Mais ça donne, j'aime bien. Oui, c'est un genre, hein, Pierre, hein, vous êtes d'accord. Il se fait faire perdre la tête, Pierre. Mais il est fou. Qu'est-ce qu'il a cet après-midi, lui? Non, on ne sait pas. Non, mais attendez, je ne suis pas... Je croyais que c'était une émission de télévision. Oui, vous avez raison, c'est Pierre. Le sexodrome. Venez, on s'en va, Pierre, venez, on s'en va. C'est comme ça. Non, c'est pas possible. Quoique. Allez, étant de passer à la photo du jour. Et cette photo, c'est celle de David Trezeguet qui, heureusement, cette semaine, a quand même marqué un but nous permettant de faire match nul, on n'en a pas assez parlé, contre la Suède en match amical au Stade de France, un partout. Bon, en fait, on a fait jeu égal avec les Suédois. On espérait quand même mieux hein, de l'équipe de France. Mais bon, qu'est-ce que l'équipe de France, c'est comme un meuble acheté dans un grand magasin suédois. On a tous les bons éléments, on a le plan, mais on a un mal de chien à la montée comme il faut. Hein. 30e but en équipe de France. Oui, il y en a assez de dire « Oh, nous avons perdu, nous avons été battus, nous avons gagné. » C'est pas nous. Il n'y a pas d'équipe de France, ni le Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'une équipe où on dit « Nous », c'est l'OM. Hein, parce que c'est mes amis, alors. Là, autre chose, alors. Oui, on bat, ça va le Parisien, tête de chien, d'accord. Annie, j'avais pas vu ce petit cœur là, forever. Écoutez, je serai pas là lundi. Lundi, c'est la Saint-Valentin, je crois. Donc voilà, je l'ai mis aujourd'hui. Ah, vous n'êtes pas là parce que justement, il y a. Ah, c'est lundi, c'est. Ah, c'est lundi à Saint-Valentin, c'est de pas souvenir pour une fois. Il paraît que l'année dernière, quand sa femme lui dit, mais enfin, t'as oublié à Saint-Valentin, il lui a répondu, ben alors, tu t'appelles pas Valentin. C'est même pas vrai. Moi, je vais à Venise pour la Saint-Valentin. C'est vrai? Oui, j'ai déjà retenu un billet pour Venise. Un seul? Et oui, parce que ma femme, elle connaît déjà. Il est temps de passer à la revue de presse des dessins humoristiques de la semaine. Et on commence avec ce dessin de Willem qui nous croque George Bush et Condoleezza Rice en pleine discussion diplomatique. Et on voit le petit Bush qui fait « Je veux l'Iran, je veux l'Iran, je veux l'Iran !» Et elle lui répond « Finis d'abord ton Irak. » La réforme des 35 heures menée par le gouvernement Raffarin a inspiré ce dessin à Luz dans Charlie Hebdo. Les Français favorables au RTT, mais RTT ça veut dire Raffarin, tire-toi. Jean-Pierre Raffarin encore, toujours en baisse dans les sondages. C'est ce que nous montre Luz dans l'Humanité. On voit le président qui dit « ça sent la réduction du temps de Premier ministre ». Jules, toujours dans l'UMA, a tenté de voir les choses avec un peu de tendresse pour la Saint-Valentin. C'est la faute aux 35 cœurs. Oh. Dans Le Parisien, le dessinateur Rançon est revenu sur les manifestations de lycéens contre la réforme du bac. Alors, il faut bien lire le panneau des manifestants lycéens. Non, contrôle, sans E, continue, avec un E. Alors là, le ministre de l'Éducation est prêt à les reprendre. Hop, oh, et Raffin lui dit, oulala, je sais ce que tu vas dire, François, mais évite de les énerver. Un petit tour du côté du Parti Socialiste avec Cabu dans Le Canard Enchaîné. On voit François Hollande qui essaie d'arranger la guerre, qui fait rage au PS et dit « Moi non plus, j'en ai pas fini avec mes chiites, mes sunnites et mes kurdes. » C'est un peu ça aussi. Oui, Isabelle, vous vouliez commenter? Juste que ça fait moins de morts quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est plutôt les Fabiusiens, les Strauss-Kahniens, les Hollandais. Les... Je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, les partisans de François Hollande. Les Hollandiens, les Hollandais. Les Bataves. Les Bataves, les Bataves. Les Endives.
Le coup d'État au Togo, maintenant, inspire Cardon. Regardez ce formidable descente du canard enchaîné. Cardon qui nous montre quelqu'un de l'armée du Togo qui s'adresse au nouveau président et qui dit « Nous vous reconnaissons comme notre nouveau président. » Et le nouveau président dit « Très bien, caporal-chef, je vous nomme général. » C'est comme ça que ça se passe. Direction Rome avec ce dessin de Wozniak, toujours dans le canard enchaîné. Le pape revient de loin. J'ai frappé aux portes du paradis, mais il n'y avait personne, dit Jean-Paul II. C'est beau. En fait, le pape va mieux et Cabu nous le montre dans le canard enchaîné. Le pape va mieux et il y a la bonne sœur qui fait « Saint-Père, votre pantalon !» Dans Marianne, Gross nous emmène en Californie au procès de Michael Jackson. On demande à un témoin « Reconnaissez-vous l'accusé ?» Il dit « Je ne sais pas, il change tous les mois. » On termine avec notre Belge préféré, Philippe Geluck, dans VSD. D'abord celui-là, « Fais-moi un signe. » Mignon. Autre dessin, alors celui-là va vous faire rire. Un type intelligent qui boit trop devient complètement con, nous dit le chat. Un type complètement con qui boit trop reste complètement con. J'en conclus que l'alcool rend con, sauf les cons. Cette semaine, Sophie, qu'avez-vous lu pour nous ? Comment ça s'appelle ? Portrait d'un... Itinéraire d'un enfant... Portrait d'un enfant non identifié. Voilà, oui, c'est parce que... Vous connaissez même pas le titre par cœur. Non, alors. Parce que je me lance dans le bouquin. Un livre écrit par qui ? Par Françoise M.J. Malé-Joris. Voilà. Est-ce que vous connaissiez Françoise Malé-Joris? Ah oui, j'avais lu beaucoup de livres de Françoise Malé-Joris. Elle est née où? Elle est née à Anvers, en Belgique, d'une mère écrivain. Citez-moi quelques-unes des œuvres de Françoise Malé-Joris. Le rempart des Béguines, c'est le premier que j'ai lu. Oui. Voilà. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y en a eu 27, je crois. Il y en a eu 27. Voilà un beau résumé. Je suis sûr qu'elle va être contente. Elle est en train de vous entendre, Françoise Malé-Joris, et elle va surtout entendre ce que vous avez pensé de son dernier livre. Nous accueillons, nous avons l'honneur de recevoir Madame Françoise Malé-Joris. Portrait d'un enfant non identifié. Avant, peut-être que Sophie nous en parle. Je sais pas, si... Vous savez, maintenant, on demande toujours aux auteurs, aux scénaristes pour les films de faire le pitch d'un livre. Si, vous, en une phrase, s'il fallait donner le pitch du livre pour les téléspectateurs qu'est-ce qui nous regardent ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, le pitch? Ah, alors, c'est, je sais pas, vous rencontrez un éditeur, vous imaginez que vous êtes... Faut-il avoir un enfant dans le monde tel qu'il est? Ben voilà, ça c'est un vrai pitch. Faut-il avoir un enfant dans le monde c'est tel qu'il est? C'est un pitch. C'est un pitch. Ah. Parfait. Orange ou citron, hein? Sophie, chez Grasset, portrait d'un enfant non identifié. Voilà, alors ça se passe au début du XXe siècle, un conte charmant, assez sémillant, qui s'appelle Dante, fort joli prénom, italien, et désargenté. Pauvre chéri, il a son petit château qui tombe en ruine. Alors il épouse une jeunesse de 17 ans, qui est une fille de chapelier mal dégrossie, un peu lourdos, mais la fillette est charmante, délicieuse, et voilà, et elle va retaper le château, et tout ça va plutôt bien se passer au départ, c'est comme ça qu'on conçoit la chose. Mais Dante va être pris par une obsession terrible. Il a dans son passé eu des antécédents, enfin un grand-père, un oncle, et même un cousin, enfin un bâtard, qui aurait martyrisé, tué certaines personnes. Et il se dit, est-ce que le crime reste dans les gènes? Est-ce que j'ai le droit de faire un enfant? Enfant dont il rêve quand même. Avec le crime est-il héréditaire? Est-ce que le crime voilà. est héréditaire? Et donc, c'est il va... C'est vous qui le faites le pitch. Voilà. C'est quoi non, le pitch, ça veut dire qu'il le comprend pitch de héréditaire, c'est quoi? Ça, je peux vous le dire. L'hérédité, c'est que si tu veux pas avoir d'enfant, tes enfants ne peuvent pas en avoir non plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est un vrai pitch. C'est un vrai pitch. Ce n'est pas de moi, c'est de Pierre Dac, je vais quand même citer l'auteur. Ce qui est intéressant dans ce bouquin, moi j'adore ce genre de livre, c'est à la mode depuis déjà un petit bout de temps, c'est qu'on mélange l'histoire et le roman. Et là-dedans, on va traverser, on va croiser des gens comme Dreyfus qui va se faire gracier, comme Jean Jaurès qui va être assassiné, comme Lassner, enfin, on va croiser plein de gens connus. Ce serait le seul défaut qu'on ça, pourrait... Ça, c'est les trois premières pages. Voilà, si vous voulez, ce serait le seul défaut que je trouverais à ce livre qui est plein de qualité, et c'est un défaut qui est une qualité. C'est-à-dire qu'il est presque trop riche. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de sujets empruntés, effectivement, l'histoire de l'enfant, l'histoire pour de l'amour. Que vous parlez à Madame Françoise Malé-Joris de l'Académie Goncourt. Et je la respecte, je vous promets, je la respecte, depuis toujours. Non, mais vous l'avez aimé, je l'ai aimé, je vous dis,
remarque cette multitude de détails qui en font quand même sa richesse, donc je ne peux pas le critiquer. Il ne faut pas dire ça, il faut dire « ça finit bien ». Alors les gens ont envie de le lire. Isabelle Alonso. Alors première chose que j'ai envie de vous dire en vous voyant en face de moi, quelle voix merveilleuse vous avez. Vous avez une voix trop sexy. C'est vraiment agréable de vous écouter parler. Pour un aveugle, on dirait Jeanne Moreau. Mais c'est vrai, dans le fond, qu'il y a un côté Jeanne Moreau dans votre voix. Et pourtant, j'écris des chansons, mais je ne chante pas. Annie Lemoine. Quand vous venez au monde, une fée au-dessus de votre berceau vous dit « Alors tu écriras une très jolie chanson dont tout le monde se souviendra, ou tu écriras un livre primé comme le Goncourt. » Qu'est-ce que vous choisissez? C'est l'un ou l'autre? Ah, je dois dire que c'est très difficile de choisir. Mais que quand on a écrit une chanson qui marche, et qu'on entend des personnes à fredonner dans la rue et qui ne savent pas que vous l'avez écrit. C'est très agréable, c'est un plaisir très particulier. Enfin... Par contre, j'étais une fois dans le métro devant deux personnes dont l'une lisait un livre de moi. Et l'une a dit à l'autre, est-ce que c'est bien? Et l'autre a fait, ah. Eh oui, ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait les rêves? Alors, j'ai vu que vous étiez vice-présidente de l'Académie Goncourt. Si je vous invite, par exemple, à manger à la Tour d'Argent une fois par semaine, j'ai des chances d'avoir le prix Goncourt un peu plus que les autres ou Bon, sûrement pas. Non. À la Tour d'Argent. Non. Ou alors ne m'invitez pas à la Tour d'Argent. Peut-être que vous écrivez un livre sur la Tour d'Argent. Alors, j'ai un manuscrit. Oui. Qui est un vrai manuscrit, oui. D'un jeune auteur qui a écrit un livre que j'ai lu, qui je trouve magnifique. Comment est-ce que ça se passe? Vous vous levez. Je me lève. Vous levez, vous approchez. Je te bouscule. C'est pas vous qui l'avez écrit, rassurez-moi. Ah non, justement, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un vrai. Que je vais vraiment vous le donner. De moi. Voilà, d'abord avec je sonne. Sourire à ding dong. Vous me le remettez. Qu'est-ce que vous faites, jeune? Merci. Est-ce que vous allez le lire? Combien de pages vous allez lire et qui va le lire? Moi, j'aimerais bien le savoir. Je vais vous le dire tout de suite. Moi, je réponds aux questions. Je vais en lire 80 pages. Si, 80. Au bout de 80 pages, rien ne m'a intéressé, j'abandonne. OK. Portrait d'un enfant non identifié, c'est chez Grasset. Stevie, voilà un enfant identifié, là, ici présent. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Françoise Malé-Joris? Bonsoir, madame. Non. Bonsoir, monsieur. Non, pas entendu parler. Moi non plus, je ne vous connaissais pas. Eh bien, ensemble. Mais moi, je trouve ça passionnant, les écrivains, tous les écrivains que j'ai pu voir, par exemple. Vous allez lire alors celui-là? Pourquoi pas, bien sûr. Vous allez essayer? J'ai vu écrire Isabelle Alonso, j'ai vu écrire Annie Lemoine. Et moi, j'ai essayé aussi. Alors, mais j'ai commencé un truc qui s'appelle la colonisation. En fait, la colonisation. Alors le pitch. Alors le pitch du livre. Le pitch du livre, c'est de. Il y a deux. Enfin, il y a deux choses. Il y a l'Europe et les États-Unis. Et je commence avec la CECA, qui est donc l'accord, les premiers accords qui créent l'Europe. Il commence petit. Donc c'est tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Et je vais jusqu'en 2000. Mais pourquoi vous faites pas simple le cul de Loana dans la piscine? Ce serait tellement. Oui, ça va, franchement. Et c'est, en fin de compte, la bataille entre l'Europe et les États-Unis jusqu'en 2200. Et on s'aperçoit que, quand même, les Européens, comme ça, bon, c'est pas une superpuissance, mais comme ils vont s'associer à la Chine, qui, elle, est une autre grande puissance qui va émerger avec le temps, eh bien, il se crée un axe entre l'Europe et la Chine qui devient la première puissance mondiale et qui bat les Américains sur plein de domaines et au point de vue sur un niveau spatial. Non, mais t'es pas madame Malé-Joris, mais non, mais raconte, c'est juste pour voir si ça l'intéresse ou pas. Elle est passionnée. Vous connaissez le nouveau proverbe? L'imbécile heureux n'a pas de chemise. Hein, ben on a nommé Jean-Claude Trichet, président de la Banque. Et pour revenir à Isabelle Alonso qui écrivait son histoire comme ça, moi aussi ça m'est venu comme ça, d'un trait. Et vous, je voulais savoir si vos histoires c'était comme ça aussi, oh, absolument. D'un trait. En plus petit, vous voyez. Thank you.
Je dis, il a peut-être déjà écrit 200 pages pour ce qu'on a fait. Ah non, pas 200 pages. J'ai dû en faire une soixantaine et c'est déjà pas mal. Sans déconner, si t'as écrit 200 pages, file-les-moi. J'en fais un sketch. Est-ce qu'il y a encore d'autres manuscrits? Non. Non. Nous étions flattés et honorés de vous recevoir. Madame Françoise Malé-Joris, portrait d'un enfant non identifié. C'est chez Grasset. Mardi dernier, Condoleezza Rice, la nouvelle secrétaire d'État en charge de la diplomatie américaine, était à Paris pour mettre un terme définitif à la brouille qui opposait la France et les États-Unis depuis la guerre d'Irak, évidemment, vous en souvenez. C'est à la tribune de Sciences Po que Condoleezza Rice a prononcé son discours destiné, on l'a lu dans tous les journaux, à relancer les relations transatlantiques. Tout le gratin de la diplomatie française était là. Mais pour parler de l'avenue de Condi en France, nous allons accueillir un député de Paris qui s'est toujours illustré par ses positions atlantistes, mais avant cela, il va devoir faire un petit tour du côté du journaliste le plus à l'ouest de sa génération, Hugues Delatte. Voici donc M. Pierre Lellouche face à Raphaël Mesrahi, Hugues Delatte. Bonjour. Bonjour. Alors bon, en ce qui vous concerne, bon, vous n'êtes pas très connu, donc on va reprendre à la base. On vous appelait Lellouche Pierre, député maire du 9e arrondissement de Paris. Pas maire, député. Député du 9e arrondissement. D'accord. Casier judiciaire. Pour l'instant, un point de moins sur le permis. Ah c'est ça, un point de moins sur le permis. Mais c'est quoi un point? C'est moi j'ai fait un truc une fois, j'ai eu trois points. C'est quoi un? Vous avez eu votre gueule, mon vieux. Vous étiez dans la salle par hasard ou vous étiez un peu son tour opérateur quand Condoleezza Rice? C'est ma copine depuis 20 ans. Mais vous êtes venu la voir comme ça, donc... Oh non, c'est aussi mon ancienne université, Sciences Po. D'accord, ok. Ça faisait deux points communs. C'est-à-dire, Ruquier vous invite uniquement parce que vous étiez dans la salle? Non, Ruquier, il m'invite parce qu'on est en face de ma circonscription et il voulait que je traverse la rue. Si moi, je suis allé voir Hugo Frey hier, personne ne m'a rien demandé. Hein. Bah oui, mais vous avez vu votre gueule. J'aggrave mon cas. C'est vrai. Oui. Vous êtes drôle. Comme je... Pour une fois qu'on peut changer, tu es misraillé. Bon. Ah. Ah. Elle a visité le conservatoire Hector Berlioz du 10e arrondissement. À un arrondissement près, c'était chez vous, pas de bol. Eh ben, je crois que c'était un peu organisé comme ça. C'est vrai, par ouais, Delanoé, ouais. Oui. Ah ouais. Oui, parce que ah j'ai oui. Un très bon arrondissement, j'ai un très bon conservatoire. J'en ai même et un dans chaque... Ma fille attendez, y est. Dans le 9e? Elle y est, ouais, bien mais sûr. Mais mon fils aussi. C'est elle pas fait vrai. Quoi elle fait quoi comme instrument? De la guitare électrique. Votre fille? Oui. Le mien fait du violon, mon vieux, c'est ah, plus bah, chic. C'est... Bah oui, bah. Non, j'ai donc deux très bons conservatoires, un dans le 8e et un dans le 9e. Mais curieusement, Delanoé l'a invité dans le 10e. L'autre jour, vous avez dit un truc à la alors, télé... Alors, votre nœud de cravate, c'est pas ça. Je peux y aller ou bien vous voulez faire intéressant? Non, non, non. Non, mais c'est vrai, il est dérangeant, votre nœud de cravate. On a l'impression d'un... Non, je disais que si, je vous connais pas bien, mais je vous ai vu l'autre jour à la télé. Eh ben... Moi aussi, je vous vois à la télé ouais, de temps en temps. C'est vrai. Ouais. Bah, c'était pas mal, ce que vous aviez c'est dit. C'est pas mal aussi, vous, ouais. Êtes, vous débrouillez pas mal. Vous avez trouvé votre niche, hein, oh, vous bah, aussi. Oui, au revoir. Moi, c'est l'Amérique, puis vous, l'interview, quoi. C'est vrai. En gros. C'est vrai, ouais. Voilà. Vous pouvez pas partir? Ah, c'est quand vous voulez. Non, mais en vous Amérique. Fini, là en Amérique. Ah non, j'y suis déjà allé. J'y suis déjà allé. Ça serait bien d'y retourner. Or, j'ai lu votre CV, mmh. C'est soporifique. Si vous avez fait que des brillantes études. C'est pas qui c'est. Vous n'avez jamais redoublé? Non. Moi, 4 fois, je fais de la télé. Vous ouvrez beaucoup, beaucoup d'horizons, vous savez. Ouais, c'est beaucoup. Sympa. C'est sympa. C'était quoi votre pire souvenir de mauvaise note? C'était les maths. Moi, c'était en anglais, parce que j'y allais plus, comme j'ai redoublé 3 fois. Et une fois, j'y suis retourné, mais c'était le jour de l'interrogation surprise. Et la question, c'était qui était la petite fille noire? Who was the little black girl? Et je dis, that was my sister, j'ai eu un. Et il y a des mecs qui vous payent pour des trucs comme ça? C'est quoi vos ambitions politiques? Ouf, servir. Président de la République, quand même? Je crois pas.
Ma cousine Dolores Boudboul, elle vous aime bien, elle trouve que vous êtes son genre. Ah bon, c'est votre cousine? Ouais. D'ailleurs, si vous en avez un comme vous, elle cherche. Elle aime la politique? Non, mais elle s'en fout, bon. Elle préfère les mecs. C'est... T'as raison, je peux pas lui en vouloir. Hein. Ouais. Elle aime la plongée sous-marine? Parce que moi, je fais beaucoup de plongée sous-marine. Bah, elle fait de la plongée, parce que c'est son boulot, quoi. Elle bosse elle est plongeuse. Supermarché. Quand on est homme politique, à qui vous parlez le plus à droite? Mais elle est bien, elle est... Votre cousine, elle est bien? Non. Ah bon, c'est un boudin en plus. Elle est comme vous, quoi. Faites attention, c'est tendance Le Pen. Tac. À qui vous parlez le plus à droite, le plus à gauche, et globalement, pourquoi? Le plus à droite, à mon voisin, là, qui est à côté de moi, qui s'appelle Michel Bouvard, qui est député des montagnes, là-bas, en Savoie. T'as un copain, ouais. Parce qu'il est à côté de moi. Et à gauche, j'aime bien Julien Drey, j'aime bien Claude Bartolone, que je vois souvent, que j'aime bien. Et chez les connus? M'emmerdez avec vos trucs de connus, pas connus. Oh bah, vous êtes dans le showbiz ou non? Je suis là que pour ça. Hein. Ouais, non. Chez les connus, oui, les connus, je les connais, les connus. Bon, vous avez sorti... Je pensais que ça vous intéresserait de connaître des députés que vous ne connaissez pas, parce que vous n'y connaissez rien, et qu'il y a des gens bien, même s'ils ne sont pas très connus. Par exemple, Jean-Michel Boucheron. J'ai jamais dit qu'ils n'étaient pas bien. Mais... Ou Claude Bartolone. Mais Claude, il a été ministre, déjà. Vous avez entendu parler de Claude Bartolone, non? Non. Le ministre de Jospin, s'occuper des banlieues, non? Vous intéresse pas les banlieues non plus? Non. Il y a quelque chose qui vous intéresse dans la vie? Bah, en dehors de votre cousine qui est grosse et tout ça. Mais vous travaillez beaucoup pour préparer ce genre d'interview ou bien vous foutez du monde ou vous avez un peu étudié ou non? Non. Enfin, j'ai lu juste un truc, vous avez sorti 7 livres, Laurie un seul, elle en avait vendu plus que vous. Oui, mais c'est positive attitude. C'est vrai. Vous avez... Allez, on va tenir Raphaël Mesraï face à Pierre Lelouch. Allez, mon gars. Il est sympa, hein? Ah ouais, ben là, c'est lui, hein? Qu'est-ce qu'il parle? Pardon pour cette interview. Il n'est pas méchant, hein, non, je vous jure. Non, c'est un bon. Il n'est pas méchant, il connaît pas bien la vie politique française. C'est son droit. En revanche, il était au courant que vous étiez effectivement dans la salle à Sciences Po cette semaine pour assister à ce discours de... J'ai toujours du mal, je vais dire Condi, parce que finalement, c'est la salle UC. Vous savez l'origine de son nom ou pas? Oui. Condoléances en Irak. Non. Ses parents étaient des fous de musique, elle aussi d'ailleurs, et... Et ils l'ont appelé avec un terme de musique qui s'appelle con dolcezza, avec douceur. Et comme ils sont américains, ils ont un peu comprimé la chose et c'est devenu condolezza au lieu de con dolcezza. Et alors vous la connaissez depuis 20 ans, c'est vrai? Je la connais depuis 20 ans parce que, avant de faire de la politique, je dirigeais un institut de recherche. Et elle travaillait dans un centre de recherche à Stanford sur la politique étrangère. C'est une spécialiste de l'URSS. Elle parle russe. Voilà. Et elle était kremlinologue. Et ensuite, je l'ai revue quand elle travaillait à la Maison Blanche pour Papa Bush, au moment de la chute du mur de Berlin, et c'est elle qui a géré la réunification de l'Allemagne et l'Union soviétique. Ah, ça c'est pas mal, quand même. Il paraît que vous avez des liens tellement intimes avec elle qu'il y a eu des ragots aux États-Unis. Disant que vous aviez un enfant caché avec elle, non, elle qui a une vie tellement austère, qui ne fait que de la musique, du russe et du sport et de la politique. Écoutez, j'en sais rien, je ne connais pas sa vie privée, mais c'est une jolie femme. En 20 ans, elle ne s'est jamais exprimée? Enfin, quand même, quand on est entre copains, un petit coup de rouge, allons-y, comment il était hier soir? Non? Non, on a des conversations qui étaient... C'est sinistre. Oui, non, on a... Donc, il n'y a pas d'enfant entre vous? Non, il y a eu... Cette information, je la barre. Il y a eu, en pleine guerre d'Irak, un pastiche du Monde qui annonçait ça, oui. C'était assez drôle. Et quand j'ai été la voir à la Maison Blanche, je suis arrivé avec le papier, on s'est bien marré. Ah. Pierre Bénichoux. C'est votre triomphe, cette semaine, ce voyage de condoléances, puisque vous avez été le seul homme politique de l'UMP à être pour Bush. Or là, quand il y a la réconciliation américaine, c'est quand même votre triomphe. C'est moins d'avoir été pour Bush que d'avoir voulu, pour nous, Français, pour l'Europe, une alternative à ce que les Américains proposaient. Je n'ai jamais senti, à l'époque, qu'est-ce que nous proposions d'autre que le maintien de Saddam Hussein au pouvoir. Et c'est ça qui manquait. Avec Chirac, ça s'est passé comment avec Chirac? Très mal. Avec Chirac, quand on sait comment il traite ses cadets,
Vous êtes avec Sarkozy, avec deux ou trois autres, un des cadets de Chirac. Il vous tutoie, vous le voyez. J'ai même été son conseiller sur les affaires internationales. Vous avez été son conseiller. Quand vous faites des articles dans le Figaro et dans le Monde pour dire l'attitude du gouvernement français n'est pas bonne vis-à-vis de cette guerre, quand la guerre se préparait, quand il vous convoque et qu'il vous dit « Mais où tu vas, mon petit ?» Vous ne lui répondez pas comme Israël, hein, vous ne lui dites pas « T'as vu ta gueule, à Chirac hein ?» Non, mais j'ai passé des moments pas simples. Pardon, vous avez passé des moments difficiles, sûrement. Oui, bien sûr. Moi, je fais de la politique parce que j'ai des convictions. Si ces convictions ne plaisent pas à certains, la seule chose qui compte, c'est le verdict, le scrutin populaire, ce que disent les électeurs. Si les électeurs, à l'arrivée, moi, j'ai mes positions, elles sont publiques. Si les électeurs de ma circonscription pensent que je me suis gouré à l'arrivée, ils me sanctionneront et je ferai autre chose. C'est aussi simple que ça. Isabelle Alonso. Que vous ayez un avis opposé à celui de Chirac, que vous l'ayez exprimé, ça fait partie du jeu de la démocratie. N'empêche qu'on a cherché des armes de destruction massive là où on savait pertinemment qu'il n'y en avait pas. Et qu'on s'habille de probité candide pour dire mon Dieu, mais il y avait un dictateur affreux, comme s'il n'y en avait encore pas plein d'autres sur la planète, et que comme ils n'ont pas de pétrole, tout le monde s'en fout. Comme s'il n'y avait pas des massacres comme au Soudan par exemple, comme s'il n'y avait pas des tas de choses comme ça qui se passent dans l'indifférence générale. Et puis là, d'un seul coup, il y a une dictature comme par hasard, celle-là, et maintenant, ils vont vouloir attaquer l'Iran. C'est juste eux les plus forts, ils font ce qu'ils veulent et après. On laisse répondre M. Lelouch. Mais oui, on laisse répondre M. Lelouch. Qu'est-ce que nous avons fait depuis que le mur de Berlin est tombé? On a développé la démocratie, la paix en Europe. Si vous allez dans les Balkans, il y a 10 ans, on tuait des enfants dans les rues de Sarajevo. On y a mis nos soldats, on a viré les dictateurs, on y a mis nos soldats, on y est tous les jours. Moi, j'y vais dans les Balkans, dans mon job. Et c'est formidable de voir qu'il y a des pays qui naissent avec beaucoup de difficultés, mais qui font autre chose que de la dictature. En Géorgie, il y avait des dictateurs absolument corrompus. Il y a une équipe nouvelle de jeunes qui essayent de bâtir la démocratie. En Ukraine, j'ai été contrôler les élections le jour de Noël à Kiev. Qu'est-ce qu'on fait? On construit la démocratie. Quand j'entends dire les Français, mais il y a plein de tyrans partout, gardons-les. Eh ben merde, moi je ne m'inscris pas dans cette politique-là. Je ne peux pas m'inscrire. Il y a une autre question que je veux vous poser. Je ne fais pas de la politique aussi, pour dire, celui-là il est tyran, mais il y en a plein d'autres, donc on le garde. Moi je la pose comme ça et je revendique de me battre pour une démocratie. Oui, mais quand la démocratie est instaurée de force par le pays le plus puissant que l'humanité ait connu, l'Amérique, c'est une erreur. Il y a du mouvement à se faire. C'est une erreur. Mais si c'était, je garde Saddam Hussein. Parce que je vais envoyer des inspecteurs, là, je trouvais que cette ligne-là n'était pas bonne. Pourquoi j'ai pris cette ligne. On n'a jamais dit ça. Personne n'a dit je garde Saddam Hussein. Simplement, Chirac, le premier, a dit OK, mais avec la manière, et donc dans les règles, et donc avec l'ONU. Voilà, c'était sa position. Elle était tout à fait honorable, je trouve. Maintenant, on parle d'une histoire passée, là. Et si elle est venue à Paris aujourd'hui, c'est pour préparer ce qui arrive. Elle l'a annoncé. Non, mais c'est un sujet intéressant. Oui, mais c'est fini. C'est l'histoire ancienne, déjà. Pardonnez-moi, c'est terminé maintenant. Elle est venue à Paris pour ouvrir, dit-elle, un nouveau chapitre. C'est ça qui est intéressant. Enfin, de mon point de vue. Bon, le nouveau chapitre, alors c'est intéressant parce que... Oui, parce que tout à coup, elle se met à compter sur l'Europe. Dire, attendez, on a besoin de vous. Alors, elle prépare la visite de M. Bush. Qu'elle dit, hein. Oui, mais justement, comment vous décodez ça? Ah, mais je décode ça très simplement parce que c'est une administration que je connais assez. Bah oui. Qu'est-ce qu'ils disent dans la Maison-Blanche aujourd'hui? Ils disent, Bush a fait campagne sur l'Irak. Mm-hmm. Nous avons été attaqués sur l'Irak. Mm-hmm. Nous avons été critiqués sur l'Irak. Et à l'arrivée, le peuple américain non seulement a ratifié cette politique, mais nous a donné 4 millions d'électeurs supplémentaires. Donc le président ne va pas changer sur la ligne de la lutte contre le terrorisme et de la lutte pour la liberté. Ça, c'est son cap. Ils ont appris en Irak, cependant, et ça c'est le deuxièmement, ils ont appris qu'il y avait des limites à la capacité des États-Unis de régenter des situations difficiles sans les alliés. Et ils ont appris que même aux États-Unis, il y a des limites à la puissance militaire. Donc, ils ont besoin des alliés. D'accord. Au moins un point, j'étais étonnée tout à l'heure. Ça veut dire que c'est un... Monsieur le député, pardonnez-moi. Le développement de la liberté dans le monde. C'est drôle, vous vous posez une question, vous répondez à Benichou, ça que je ne comprends pas. Il y a une dissociation du champ de l'image. Non, je regarde. Juste un point qui m'a vraiment étonnée. Vous devriez regarder davantage. Je suis plus joli que Monsieur Benichou. Question de goût, hein. Si vous voulez me faire le numéro de Misraï, vous aurez affaire à plus forte partie, mon cher ami. Justement, moi je suis tombée des nues, monsieur Lelouch, parce qu'il est formidable, Raphaël Misraï, je l'aime beaucoup, et c'est un révélateur. Et bien des invités se sont révélés à son contact. Et vous aussi, j'ai découvert quelque chose. Quand il vous demande si vous rêvez d'être président de la République, eh bien j'ai vu à votre réaction que c'est presque non, mais aussi presque oui. Alors vous aussi, vous y pensez en vous rasant? T'es trop forte, Annie. T'as tout vu. Annie, là, je sais pas répondre à ça. On sait en revanche que vous rêvez d'être maire de Paris. Mais... Oui. Maire de Paris, ça, c'est sûr. Hein. Ça me botterait. Oui. Voilà. Stevie Boulet.
Ben moi, au début, quand on les Arise, j'avais un peu de mal, hein, parce qu'on faisait voir, les médias en tout cas, faisaient voir des photos d'elle comme ça, très méchante, anti-français en plus. Ça dépendait des journaux, hein. Ça dépendait des journaux, oui. Et puis, en fin de compte, c'est vrai que quand le fait qu'elle vienne ici, qu'on la voit gentille, en fin de compte, parce qu'elle a l'air plutôt sympa, cette femme. Pas mal, hein, en plus. Sympa, et puis il y a un autre facteur, parce que j'écoute quand même beaucoup Pierre Bénichoux, qui m'avait dit, c'est vrai que cette femme, une petite noire, comme ça, qui est secrétaire d'État américain. C'est vrai que c'est plutôt rare. Non, et c'est un je l'avais dit, l'Amérique vous prend toujours à contre-pied. On a l'impression que cette droite terrible américaine, et quoi, et c'est une petite chanteuse de blues. D'un milieu très modeste. Très modeste, oui. Il y a une moyenne bourgeoisie, le jour où on verra une chose comme ça en France, on pourra dire. Et oui, le militariste. Le militariste. Il y a beaucoup de secrétaires d'État quand même. Le militariste en France. Des postes comme ça. Peut continuer. Des postes comme ça. Le militariste. Ministre des Affaires étrangères. Oui, on a Laurence Boccolini comme chef de l'armée. Regardez, non. Très bien. Et donc qu'est-ce qu'elle vient foutre avec, j'ai pas saisi. Elle fait pas la tête même, Michel Ayomari, de la concurrence que lui fait Laurence Boccolini. Je comprenais pas bien le rapport entre Candy Rice et Laurence Boccolini. Bah c'est un peu la Michel Ayomari des États-Unis quand même. Non, elle est ministre des Affaires étrangères. Mais tout ça pour dire que ne serait-ce que le fait qu'elle vienne en France et qu'un sourire et qu'elle nous fasse un beau sourire, eh ben ça fait plaisir. Elle a bien fait de venir, donc. Et ça détend surtout cette espèce de poids qu'il y avait, cette tension qu'il y avait entre la France et les États-Unis. Je trouve ça bien. Donc, comme quoi, juste un sourire, ça fait du bien. Parfait. C'est ça. Je suis pas sûr que vous l'obteniez, là, maintenant. C'est ça, ça prouve qu'elle a réussi sa mission. Alors voilà, exemple, évidemment, je ne suis pas d'accord du tout. Ça, j'en étais sûr. Je trouve qu'elle est, au contraire, encore plus dangereuse qu'avant, puisqu'elle sourit. Voilà, on le connaît. Il ne suffit pas d'aller à un concert de musique classique dans le 10e arrondissement et puis d'être ému pour ne pas rester la même à l'intérieur. Les masques vont tomber. La diplomatie, c'est quand même magique. Cette femme était arrogante, a été verbalement assez violente quand même avec la France. Elle a menti aussi, comme toute l'administration américaine. Et tout d'un coup, elle arrive comme ça, dans le monde de Condi. Tout va bien. Condi chérie. Le monde à l'américaine, en France, il y en a quand même une grande majorité qui n'en veulent pas. Parce que moi, le fait que les Américains veulent... il suffit de regarder la télé ou de se balader dans les rues et on s'aperçoit à quel point la France ne veut pas de l'Amérique. Vous me faites rigoler. Regardez si ça, commercialement, ils ont réussi leur coup. Non, hein. Mais attendez, regardez le nombre de programmes, nos enfants, de quoi ils sont gavés à la télé. Mais vous pensez que je trouve ça bien, moi? Moi non plus, ils sont gavés de merde. Est-ce qu'ils ont eu le choix? C'est un choix de société à un moment donné aussi, la société américaine. Fric, sécurité, sous couvert de morale et de religion. Personnellement, sans être anti-américain, je dis non. Alors effectivement, c'est mieux que Saddam Hussein. Alors, on est d'accord. Alors, mais là, le raisonnement est quand même simple. Mais si on est fier de notre modèle, et c'est le cas, on est fier d'être français, on est fier de ce que nous arrivons à faire de bien, ayons sur ces grands sujets du monde une alternative, une politique différente. Mais pas seulement dans les mots, dans les faits. Et commençons par avoir une vraie politique de défense et les moyens de peser quand il y a une crise. Or, regardez, pourquoi est-ce que l'Europe, on parle d'Europe puissance, on me dit on va faire l'Europe puissance, l'armée européenne. Est-ce que vous savez que 450 millions d'Européens, tellement fiers de leur société, de leur système, dépensent à peine 40% de ce que dépensent les Américains pour leur défense. Mais tant mieux. Alors madame, quand il y a une crise, ne vous plaignez pas, quand il y a une crise, si les seuls qui peuvent imposer leurs lois, ce sont les Américains, parce qu'ils ont les moyens de peser sur l'issue. C'est eux qui prennent les crises. Tandis que l'Europe, elle est là, elle regarde et elle fait des commentaires, ou elle envoie monsieur à la télé pour dire que c'est tous des cons. Ça suffit pas. Mais non, vous voulez avoir une politique alternative, donnez-vous les moyens d'avoir une politique. Encore le mannequin, c'est pas tous des cons. Ça, c'est ce que nous disent les Américains. Donnez-vous les moyens. Vous êtes avec moi, vous êtes contre nous. Je vais vous donner. Moi, je fais ça. Je vais vous donner un exemple. Le choix ne se limite pas à ça. La mentalité, la manière de voir le monde de quelqu'un comme Condoleezza Rice, quand elle a dit dans un discours très récent, le tsunami est une formidable opportunité pour l'Amérique de montrer au monde à quel point nous sommes généreux. Quelqu'un qui pense comme ça, c'est quelqu'un qui pense de travers. Je suis désolée, je ne peux pas. C'est mal. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est mal s'exprimer, ça manque de délicatesse. Mais je pense que le louche va la façonner maintenant et va en faire une femme qui parle bien. Quand est-ce qu'on va savoir si vous êtes désigné candidat par l'UMP à la mairie de Paris?
Paris. Dans un an. Dans un an. Bah écoutez, on vous souhaite, je dirais la même chose aux autres, hein, rassurez-vous, mais en tout cas, on vous souhaite d'obtenir cette candidature de l'UMP à la mairie de Paris. Oui. Merci Monsieur Pierre Lelouch et merci d'être venu pour nous parler de Condoleezza Rice. Notre dernier invité pour ce soir, nous allons maintenant accueillir un acteur, réalisateur, scénariste, dialoguiste, metteur en scène, adaptateur bien connu des Français, des Bronzés, à Monsieur Hir en passant par Tenue de soirée, Marche à l'ombre ou Viens chez moi, j'habite chez une copine. Il a aussi signé ses propres comédies comme Grosse fatigue, Mauvaise passe ou plus récemment Embrasser qui vous voudrez. Ce grand monsieur du cinéma français, c'est, vous l'aurez reconnu, Michel Blanc. Il a récemment adapté aussi pour le théâtre Tantine et moi, une pièce de Maurice Panitch avec Francis Perrin et Monique Chaumette. Voici donc Michel Blanc. Bonsoir. Bonjour monsieur. Bienvenue. Quel accueil. C'est génial. Merci. Regarde, n'exagérez pas non plus quand même. Nous avions ici même, à cette place, mais il venait pour son livre et on avait dit quelques mots évidemment de la pièce, Francis Perrin, il n'y a pas si longtemps que ça, pour cette pièce, Tantine et moi, il en est, j'allais dire l'interprète principal, il y a que deux comédiens hein, sur scène en même temps, mais j'allais dire plus principal parce que je crois que Monique Chaumette a un rôle quasi muet. Hein, elle a un rôle extrêmement compliqué qui consiste à écouter, voilà. C'est horrible. C'est très difficile d'écouter et de jouer toute une pièce en écoutant et en donnant uniquement par ses regards, par son attitude, en donnant la réplique à son partenaire, c'est vraiment chapeau. Francis Perrin, c'est vrai, joue. Alors, il a joué dans L'Espèce menacée que vous aviez aussi adapté. Ouais. Là, c'était, on va dire, une. Ah, c'était un vrai boulevard. Là. Comédie de boulevard. Oui. Il a fait, il est plus récemment signé Dumas, qui a été un gros succès, qui était alors, dans un tout autre genre. Et là, il continue avec vous dans cette pièce de Maurice Panitch, Tantine et moi au théâtre La Bruyère à Paris. Je vous sens heureuse de voir Michel Blanc. Oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, ça me fait plaisir. Pourquoi Isabelle ? Ben, je suis pas la seule à beaucoup aimer Michel Blanc. Moi aussi, je suis très heureuse et je voudrais demander. Je parlais à Isabelle Alonso. J'ai commencé une phrase, faut pas que ça te dérange. Mais non, je voulais dire, est-ce que Francis Perrin, quand il vous a parlé de la pièce, c'était parce qu'il est trop content d'avoir trouvé une pièce où il n'y a que lui qui parle? Non, c'est pas un peu ça. Stress méchant. Oh, non, je pense que ce qui lui a vraiment beaucoup plu, c'est justement le pari. Parce que, enfin, je ne vais pas faire le pitch, mais il y a une véritable évolution et une véritable surprise dans le personnage. Et ça, pour un acteur, c'est formidable de ne pas avoir un personnage un peu monolithique, un personnage qu'on a compris au bout de 5 minutes et bon, on se dit bah oui c'est pas mal, mais là il y a plus on avance dans la pièce, plus on découvre des choses et je pense que c'est ça qui lui a plu. Stevie Boulet, je sais pas si vous connaissez. Oui bien sûr je connais. Bon ah bah moi je me suis avec toute l'équipe, je me suis penché sur toutes les déclarations que vous avez faites depuis les années 80 aujourd'hui. Oh là 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 là, il y a prescription. Alors, non. Justement c'est juste une petite très peur. C'est juste une petite. Non, de petits trucs que vous avez sortis. C'est juste comme pour ça. Vérifier si voilà, vous vérifier. L'avez dit ou pas, si voilà. Vous le pensez. Je ne l'ai pas dit. Et en plus, je ne le pense plus. Eh bien, vérifions tout de suite avec François, daté de novembre 1984. Ah oui, je m'en rappelle, j'étais pas. Vous déclarez « J'aime tellement la mise en scène que je pourrais en faire gratuitement. Ouais. » Aujourd'hui. Non, hein. Bah non, mais c'est-à-dire quand ça marche pas, c'est ce qui se passe au bout du compte, alors ça m'est déjà arrivé. Mais là, aujourd'hui, il est cher. Mais, non, oui, là, j'ai pas fait la mise en scène, donc... Voilà. Autre chose, dans le Parisien, daté du 18 janvier 1985, je trouve mon physique tout à fait confortable et je n'en changerai pour rien au monde. Mmh. Ah, ça, toujours je persiste. Mais oui, je persiste parce que c'est mon gagne-pain. Mais moi, personnellement, je vous trouve charmant. Donc, ben, c'est très gentil. Mais vous vous rendez compte si j'avais, je bon, sais pas... Vous n'avez pas dragué en direct. Ah, mais je drague pas. Non, mais enfin bon... Je ne drague pas. Non, mais les gens ont le droit de s'exprimer. C'est vrai. Bon. Surtout, enfin, surtout comme ça. Surtout maintenant qu'en 85, parce que vous étiez un peu voilà. Trop maigre. Et ben, c'est à cause de ça que j'ai fait des déclarations qui pourraient prêter à confusion. Mais d'abord, c'est avec ce physique-là que j'ai réussi à jouer la comédie, à faire marrer les gens. Et je pense... Il y a un peu de talent quand même. C'est gentil, mais il y a aussi le physique. Si j'avais un physique différent, j'aurais pas eu la même carrière. Je m'y suis fait maintenant. Les autres aussi.
Ah bah, ils n'ont pas eu le choix, oui. Mes parents ont fini par accepter la semaine dernière. Ça a été le plus long, hein. Et bon, voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai, mais je trouve confortable dans la mesure où je m'y suis bien installé. Quoi. C'est comme un appartement qui n'est pas forcément terrible au début, puis on finit par y trouver ses marques, donc voilà. D'accord. Autre chose, le Parisien, octobre 1984. Je crains le pire. Je séduis les filles qui m'intéressent. Voilà la chose importante. Ah oui, ça, c'était par rapport à l'idée... Vous, la séduction, le... L'idée de le vrai séducteur, c'est quelqu'un qui veut séduire tout le monde, même des gens qui ne l'intéressent pas du tout, du tout. Mmh. Et on est malheureux quand on n'arrive pas à séduire les gens qui vous plaisent. Mmh. Moi, je et pense séduire que là... par intérêt. Ah ben, c'est pas séduire, ça. C'est louer ou acheter. Par intérêt mais... d'avoir une bonne réponse. Oui, ben, c'est ça, oui. Plus récente, Maximal, novembre 1999. C'est quoi, ça? Un magazine, Maximal. Maximal, vous avez accordé j'ai une donné interview. Et vous dites, cette sensation d'être uniquement désiré pour son cul, c'est délicieux quand c'est pas fréquent. Ah, c'est-à-dire c'est un rêve. Là, non, on parlait de rêve. Non, vous non, dites moi, des choses dans la presse, vous, mais incroyable. Bah oui, bah, ça les occupe, puis comme ça, ils écrivent. Parce que si on dit des trucs mais gentils, normaux, ils écrivent pas. Mais c'est très vrai, ça. Mais c'est mon rêve d'être aimé pour mon cul. Mais oui. Mais quand c'est pas très fréquent, non mais le c'est reste. Oh, c'est mais c'est mieux quand c'est fréquent, moi j'aimerais que ça soit tous les soirs. Ah bah ça, je suis d'accord avec vous. Sinon, 99 encore. La suivante. Alors Figmag, novembre 1999, donc on reste dans la même année. Dans la même année, j'ai la trouille de l'engagement. J'ai réussi jusqu'à présent à tenir dans des histoires de couple un an et demi, deux ans, guère au-delà. Cela me fait peur. Peur de disparaître, de me faire bouffer. Je n'ai rien à ajouter, votre honneur. C'est... Mais ben, non, mais c'est vrai. Faut pas sortir avec des anthropophages, en plus. Vous avez quand même de la chance. De tenir deux ans et demi. Un an et demi jusqu'à deux ans, moi, ça a été une semaine, voire deux. Donc, estimez-vous heureux. Enfin, voilà. Je ne m'estime pas malheureux. Parce que toi, c'est trop fréquent, c'est pour ça. Gala en truc d'avant. Oh, non. En 2002. En 2002. Choquer, c'est souvent le prix à payer pour être sincère. Mmh. Vous avez dit ça dans Gala. En décembre 2002. Ça se rapproche, hein, je dis de plus en plus de trucs que je pense toujours, donc c'est bien. Oui. C'est ça qui est intéressant. Ouais, non, ça c'est vrai, oui. Toujours vrai. Oui, toujours c'est vrai. Et puis une dernière, VSD, janvier 2003. J'ai peur de ne pas plaire à l'autre, au réveil après une gueule de bois, ou si je trouve le tube de dentifrice pas rebouché. J'ai dit ça, moi. Ah oui, dans plusieurs journaux du reste, hein, le tube de dentifrice. Quel con. Ah non, ça, c'est idiot, ça. Il y en a une, Sylvie, que t'as oublié, là, je l'ai juste sous les yeux. En parlant de l'équipe, il y en a un qui m'épate, c'est le petit Stevie. Il pose des questions naïves, mais moi, je trouve sa bonne foi très rafraîchissante. Ah, ça, oui, je l'ai dit, je me rappelle. Mais des fois, c'est le pôle Nord pour nous, ici. Hein, et c'était dans Télé-Loisirs. C'est bon. Vous allez partir bientôt pour la Roumanie. Ah pardon, oui. Hein? Je crois qu'il fallait que je me... Non. Il va jouer le rôle d'un agriculteur, mais on va pas trop en dire. En tout cas, Isabelle Mergault va réaliser son premier film et Michel Blanc c'est un sera très joli scénario. Elle a écrit un scénario très drôle, très touchant, très intelligent comme elle est. Moi, j'ai trouvé ça formidable, son scénario. Ça s'appellera La fille de l'Est, et puis il y aura aussi Les bronzés amis pour la vie. Ça va se tourner dans cette année dans un genre aussi, différent. Dans un genre différent, mais évidemment très attendu aussi. Vous êtes sûr que ça va se tourner, Les bronzés? Écoutez, moi j'ai signé le contrat, maintenant on est six. J'attends avec impatience le retour du sixième. Tant que j'ai pas vu le mot fin, j'y crois pas. Eh ben écoutez, parce moi que, parce que le pari nous est sommes tellement entièrement fou. D'accord. Le pari, c'est vrai? Non, mais c'est vrai, mais en même temps, je sais que ça va se faire, quoi. Mais tant que ça ne sera pas fait. J'ai une question à ce sujet-là. J'avais lu que quand vous écriviez des scénarios avec le Splendide, vous écriviez sans savoir ce que vous alliez jouer. Oui, mais pas cette fois-ci, parce que alors là, les personnages... Alors justement, là, c'est plus possible. Eh ben non. Alors, vous allez vous servir mieux que je sais bien que je vais jouer Jean-Claude Duss. Hein. Moi, je veux bien reprendre le rôle de Balasco, mais elle veut pas. Alors... Tantine et moi, actuellement, au La Bruyère. C'est adapté par Michel Blanc, avec Francis Perrin et Monique Chaumette. Restez encore un instant avec nous, le temps du qui a déconné. Ça va aller très vite. Pourquoi on n'a que deux à vous proposer?
C'est le président Chirac qui est toujours en tête avec 420 points, suivi par Giscard, 300. Ali Lodzic, 210 points. Marine Le Pen, 200 points. Pierre Pasqua, voilà, juste derrière, en 5e position. En 6, Schwarzenegger. En 7, Gérard Depardieu. En 8, Laurent Fabius. En 9, Prince Harry. Et en 10, Pamela Anderson. Je vous propose le Prince Charles ce soir en plus. Pourquoi ? Parce que ça y est, c'est officiel. Il annonce son mariage avec Camilla Parker Bowles. Ça aura lieu le 8 avril prochain. Et pourquoi je l'ai mis dans le kick à déconner ? C'est parce que Stevie n'a pas encore reçu d'invitation. Alors, Sophie. Alors, moi, je pense zéro point parce que, franchement, les gars qui tiennent leur parole au bout de tant d'années de fréquentation, c'est pas mal. La seule chose, c'est qu'elle sera pas reine, elle sera princesse consort, ce qui est déjà une bonne nouvelle, elle est toujours restée enfermée. Pierre. Évidemment, zéro point. Vous savez, il n'a pas une vie tellement marrante pour une fois qu'il fait une chose qui est pas mal de d'épouser cette femme pour qui... Puis en plus de ça, c'est un type à qui il ne faut pas faire de peine. Il a perdu sa femme il n'y a pas longtemps. Isabelle Alonso. Zéro point, c'est vrai qu'ils ne sont pas très beaux, mais leur histoire d'amour est magnifique. C'est vraiment une belle histoire. Ouais, mais justement... En même temps, ils n'auront pas d'enfants. Hein. Non, mais... Stevie. Non, moi, je vais commettre un crime de lèse-majesté parce que je mets 30 points. Pourquoi donc Comment on peut remplacer une femme telle que Diana? Eh ben, en épousant Camilla Parker, oui, il était mais peut-être divorcé, mais sachant qu'il est le futur héritier du trône, donc futur roi d'Angleterre, et que ça sera le chef de l'église anglicane, qui, elle, l'église anglicane, n'accepte pas le remariage. Or, le mec de Canterbury, c'est l'évêque de Canterbury, il en a derrière. Il veut... Donc voilà, enfin, vous êtes déçu. Annie Lemoine. 30 points pour la seule raison que s'il avait pris cette décision un peu plus tôt, on aurait évité des morts. Christophe, allez là. Ouais, zéro point, je m'en fous royalement. Ah, royalement, c'est parfait. Et vous alors, Michel Blanc? Moi, je vais lui mettre zéro point parce que c'est quand même pas fréquent un type qui laisse une jeune pour se taper une vieille. Ça, c'est vrai. Et donc, ça mérite d'être encouragé. Total pour le prince Charles, 60 points. François Fillon, c'est tout autre chose. Il est ministre de l'Éducation, sous le contrôle continu des lycéens. Il y a eu des grèves cette semaine dans les lycées. Il a réussi avec une réforme un peu bizarroïde. Pas très médiatisé au départ, puis finalement petit à petit le bouche à oreille a fait que tout le monde était un peu contre ce contrôle continu pour qu'on reste à un baccalauréat normal. Bon, il aurait peut-être mieux fait de réviser sa réforme plutôt que de faire réviser un peu moins les élèves pour le bac, puisqu'en contrôle continu finalement c'est un travail toute l'année qu'il demande, pour ou contre cette réforme. Et François Fillon, Sophie? Bon, c'est plutôt un virage que de réforme, mais enfin, je suis pas pour son histoire de baccalauréat pipé avec le nom des lycées, mais dans le reste, il n'y a pas beaucoup. Beaucoup d'inventions. 10 points, Pierre. 10 points. Moi, je mets 0 point parce que la ministre de l'Éducation nationale est toujours huée en France, ouais. Quoi qu'il fasse. Puis en plus, ça fait quand même plaisir pour un ancien camp de filer 0 au ministre de l'Éducation nationale. Ah, ça, c'est bien. Isabelle. Moi, je suis très contente qu'ils remettent les lycéens dans la rue. Il va y avoir des manifs, c'est sympa, c'est le printemps, tout ça, c'est cool. Moi, 0, pour 2 raisons. 1, il est de la Sarthe. Et 2, je trouve ça très bien, le contrôle continu. C'est moi qui dis ça, c'est quand même le putain qui se fout de la charité. Parce que le contrôle continu, ça oblige à travailler toute l'année. Voilà. Alors que le bac, c'est un examen bête, en fin d'année. Alors tout le monde travaille en fin d'année, alors que le contrôle continu, c'est sur la longueur de toutes les années. C'est tout le temps. Bah voilà. Sylvie, on l'a dit déjà, si vous êtes tête de turc d'un prof, que vous êtes bon, mais qui vous met des mauvaises notes toute l'année, vous êtes très désavantagé. Ah, mais nous, on l'avait dans les parties techniques. Parce que moi, quand j'ai fait audiovisuel, c'est pas le Vous avez fait audiovisuel? Et alors, la carrière? C'est un truc technique. Ben oui, mais j'ai fait mes études en audiovisuel. Je voulais commencer derrière la caméra pour finir devant. Fait de circonstance, j'ai fait un truc qui a été beaucoup plus vite. Un jour, tu finiras derrière. Tout l'enseignement. Ah ben, j'espère, c'est mon but maintenant d'être producteur. Vous êtes producteur dans mes rêves. Allez. Moi, je l'aime bien, sa réforme, a priori, à moins qu'on me l'ait mal expliqué, mais je trouve pas ça mauvais d'être un petit peu contrôlé au fil du temps plutôt que de tout jouer sur un coup de poker. Allez, Vec. 0, qui se démerde déjà. 0, 10, 20, 30. On apprend beaucoup dans le. T'en fiches un peu, hein. C'est pas que je m'en fiche, c'est que je suis assez d'accord sur le fait que j'aimerais pas être ministre de l'Éducation. Je vais mettre 10 points, c'est au milieu, comme ça, voilà. Est-ce que je peux insister sur le côté formateur des manifs? On apprend beaucoup de choses, on va faire beaucoup de choses collectivement, ensemble. Il y a des rencontres. On fait beaucoup de choses dans les manifs. C'est très bien, mais oui, il y a des rencontres. Ça drague dans les manifs. Moi, en 68, j'ai fait une manif, je me suis fait virer parce que j'étais pas sérieux.
il y avait un trotskar à côté qui m'a dit c'est sérieux les manifestations, casse-toi. Ça devait être Jospin déjà. Et j'y suis pas retourné depuis, mais c'est vrai. Hein. C'est à Neuilly, faut dire. Hein. Donc c'était un trotskar de Neuilly, c'était pas mal. Total pour François Fillon qui rentre dans notre classement 20 points. Michel Blanc pour Tantine et moi au La Bruyère était notre invité. Merci beaucoup. Bon week-end sur France 2.